va pas si près, là. On a la ville du cheval. Je pense que je vais bien prendre ce truc. Je pense que je vais bien mettre le vertical, s'il te plaît. Ouais. Bon, moi j'ai peur des bêtes. C'est un pony club. D'ailleurs, je suis passée au pony club. Par chez moi, j'habite à la maison. C'est un airbag pour cheval. De toute façon, après, c'est fait tomber. Ça doit tomber. Non, ça, je pense que ça peut tomber tout seul. Oui, ça, ouais, ça tombe. Bien, ouais. Ah. Bravo. Bon, ils ont l'habitude. Et en carrière, quand on travaille, c'est ça, c'est l'idéal, c'est nickel. C'est qu'il peut y en avoir qui sont au galop, les miens restent au trot ou au pas. Ils n'ont pas s'emballer. Ils n'ont jamais sauté. C'est Bruno. Bravo. Super. Ah, dis donc, t'as des spectateurs là, hein. Entrer dans la maison, manger une pomme sur la table. Ah bah tiens. Nickel. Allez, dans le cerceau. Oh, c'est bien. Voilà. Il y aura du pain dur après. Voilà. Donc ça, il y a une semaine, elle ne savait pas le faire. J'ai appris ça en une semaine. Oui, bah elle a des petits bouts de carottes en même temps. Ah bah vous oui. Vous avez vu? Les petites friandises. Ça fait beaucoup de choses. On avait acheté, on vient les rapporter. Tu me mets par ici. C'est bien, c'est bien. Dans le cerceau. Voilà. Et je vais s'intéresser. Et j'ai la carotte. Et les carottes. Ah, c'est rigolo, c'est comme des gosses. Oh, regarde. Regarde, donne sa patte. C'est bien, ma fille. Bravo. N'applaudis pas parce que je prends des photos. Oh, t'es belle. Oh, bah dis donc. Encore. Voilà, c'est bien. Avec la carotte, je leur fais faire n'importe quoi. Ouais. Mais dans les cirques aussi, elles ont des friandises. Mmh. Allez, encore un cerceau. Beau violet, regarde donc. Regarde. Oui, bravo. Mets ta tête. Voilà. Une petite carotte. Non. Alors après, il y a d'autres choses, comme là. Bravo. Alors on descend. Allez, on remonte. Voilà, c'est bien. Tiens, c'est bien. C'est bien, ma fille. Bravo. Et en plus, on l'applaudit, dit les oreilles. Encore. Ouais, c'est bien, ma fille. Bravo. On descend. Rose, c'est un vrai. Il faut se méfier parce que c'est quand même un cheval. Donc du coup, on va voir que la carotte, elle n'arrive pas assez rapidement à se cabre. Ah oui, d'accord. Donc bon, elle sait le faire. Non, non. Voilà. Allez, remonte. Voilà. Je leur parle beaucoup, donc ils savent les mots. Ils connaissent bien leurs mots, ils savent tout. Mauvais. Allez, c'est fini. Non, c'est fini. Non, ça y est. C'est fini. C'est fini. Non. Ah, non. Non, j'ai dit si c'est fini.
Voilà. C'est bien, bravo, Fanny. Attends, et là, elle est un peu énervée, t'as vu? Il y en a un peu énervée, hein. Ah bon? Avec Pipi, on peut pas faire un autre. Pourquoi? Ah bah parce que... Tu veux dire quoi, Nathalie? Alors les chaleurs, c'est comme comme nous, humains, c'est comme les chiennes. Les juments ont leur chaleur de mai à octobre, tous les 20 jours. Donc ça dure à peu près une petite semaine. Donc c'est le cycle de la ville. Elles peuvent avoir des petits. Voilà, exactement. Elles sont un peu énervées. Donc c'est comme nous, donc ils ont des... On va dire, on appelle ça des saletés qui sortent de derrière. D'accord. Voilà. Enfin, bon. Alors, la parenthèse, c'est que Tipi, il a hyper confiance à sa mémère. Et donc, ça, c'était quelque chose qu'il ne savait pas faire il y a une semaine. N'est-ce pas, Clément? Oui. Et c'était quelque chose qui était impossible à faire parce qu'il avait les pétoches. Il avait peur de... Et donc, du coup, pour lui... C'est de lui mettre un truc autour du cou, c'est comme si il était prisonnier quoi quelque part. Hein, on peut dire ça avec Clément? Oui. Tu peux m'aider si tu veux dire autre chose? Hein? Oui. Voilà. Donc j'ai pas droit à l'erreur avec Tipeee, parce que vu qu'il a hyper confiance en moi, si jamais un jour je fais quelque chose et qu'il est en difficulté, il n'aura plus jamais la confiance. Parce que lui, il a une mémoire. Et il s'oublie jamais. Bruno, il a été brutalisé par son propriétaire et il ne veut pas qu'un homme le monte. Des ados, ça va, des enfants, ça va, mais un homme, non. J'ai pas compris, j'avais un collègue qui venait régulièrement chez moi et puis une fois comme ça, il a voulu le monter et il l'a fait virer. Une image encore de ouais, il est, bah, et j'ai téléphoné à la propriétaire, j'ai expliqué, j'ai dit mais comment ça se fait, c'est les hommes quoi. Et elle me fait, bah oui, bah, dit, parce que m'a dit mon mari, a dit, il avait mis un coup de poing dans le nez. Donc, du coup, il s'en rappelle. Donc du coup, il s'en rappelait. Merci Nina. Fini. Il avait une image de son propriétaire qui... Voilà, exactement. Très négatif. Mais les animaux se rappellent bien. Et les animaux se rappellent. Alors, pipi, arrière. Oui, bah regarde, il circule bien. Arrière. Avec la charrette aussi. Donc ça, il le fait en charrette. Avec la charrette, moi ça m'avait... Comme il le fait en montant. C'est bien. Bravo. Et c'est pas parce que je le tiens, hein. C'est qu'il me suit comme un toutou, quoi. Ah oui. Et des fois en carrière, il se détache et il vient me rejoindre au milieu de la carrière. Allez, une dernière. Une bonne carotte. Allez, arrière. Alors, une chose qu'il sait faire aussi, c'est s'asseoir. Mais bon. Vu le temps humide qu'on a eu ces derniers jours, j'ai pas eu le temps de lui réapprendre. Mais ouais. Sinon sur le site, vous pouvez le voir, il s'assoit et il reste assis tranquille de terre. Hein? Et c'est quoi? Non. Voilà. Donc c'était pour vous montrer. Merci. La confiance qu'ils ont. Mais là, il faut se dire quand même qu'il n'a pas le contact avec la bouche. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. C'est que les rennes, elles sont ballantes. Hein. Donc le contact avec la bouche, c'est-à-dire que quand les rennes sont tendues. C'est ça qu'on appelle. Mais là, voilà. Là, c'est le contact avec la bouche. Voilà. Mais on voit, il court pas. Vanille. Bon, bah, laissez-le en place. Tu veux gagner ça plus chignon. Voilà, la différence de ça. Ouais, bah, oui, on voit, il n'est pas là, pareil. C'est moi qui suis, doit aller. Ouais, ouais. Il tire sur le renne. À droite, à gauche. Mais il fait quoi là? Là, il fait du western. Ah oui, non, j'ai. Bien, j'ai bravo! Et en fait, il sera tout salut! Du western. Salut! Alors, par contre, il sait où est sa mémère, donc il aurait tendance, vous avez vu avec les yeux, voilà, à revenir par ici.
Ah oui, veut. Par contre, il veut bien qu'elle le monte. Parce que le bois, il a pas mal de monde. Hein. Oula, c'est dans l'eau, il m'a dit. C'est bien, Sydney.